Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est White et aujourd'hui on se retrouve pour un truc que vous m'avez demandé assez fortement sur Twitter, je crois. On se retrouve pour une dans la peau d'un requin, pour un dans la peau d'un requin, je sais même pas comment l'appeler en fait. On se retrouve pour notre série spéciale dans la peau d'un requin, série spéciale qui n'a pas été tournée par White Shark depuis l'année 1942. Je vous propose une petite partie sur Oregon, c'est parti, on commence de suite. Alors je vous préviens, la vidéo commence assez lourd hein. Donc moi comme dit, j'étais en entrée frag. Donc voilà, je prends la petite tour au KLM. Je rentre, tout était déjà pré-droné. Je me dirige vers le meeting room. Je tape et là à partir de ce moment là c'était surprise. Je vous avoue j'y suis vraiment allé ranked style. C'était complètement YOLO freestyle. J'y suis allé dans l'optique au début de nettoyer le meeting. Donc j'ai pris position, j'ai avancé, j'ai vu la recrue, je l'ai pas annoncé. Et à cause de moi le poteau KS6K est mort. Et du coup là bam, on va procéder à l'ouverture des trappes qui n'ont pas été renfo. La stratégie était tout autre. Et puis je vais commencer à nettoyer le bas tout simplement. Alors comme je suis H, je ne drone pas, j'attends vraiment de mes collègues qu'ils me dronent. Tout simplement j'attends des informations hein, voilà. Et là en fait je décide simplement de rentrer dedans. Bam, allez, elle tombe. Et le dernier un petit peu pour le freestyle, boum, je le cut, je récupère là et là. Et c'est terminé, c'est un magnifique ace pour commencer. Alors sur cette action, ce qui est un peu tricky entre guillemets, c'est l'absence totale de droning. Effectivement j'ai un shoot très fort et je me suis complètement reposé là dessus, ce qui est pas forcément bon pour vous. Dans ces situations là, ce qu'il faut faire c'est s'arranger pour se droner soi-même. Donc tout ce que j'avais fait au début c'était droné au préalable en fait hein, tout ce qui était cuisine, réfectoire, jusqu'au meeting en fait. Même le top était droné, j'avais tout préparé. Je savais avec certitude ou quasiment à 100% qu'il n'y avait personne dans ces eaux là. Et du coup j'y suis allé en one shot. Ça permet de gagner un maximum de temps. Donc rentabilisez vos drones pendant la phase de préparation. Ne les envoyez pas scouter sur BP. Et ne vous faites pas un maximum de points en scoutant au drone. Allez, deuxième manche, bim, on commence avec Ella direct, oh, je tente un spawn kill qui ne connectera pas, magnifique shoot de Mr. Azalai, je lui dis d'ailleurs dans le chat, nice shot, parce que putain l'enfoiré, il m'a rentré un HS direct et il m'a arraché la bouche, donc c'était assez impressionnant. Suite à ça, il se passe quoi? Je prends les caméras pour donner des infos aux potes, puisque je suis mort, c'est à moi de donner des informations. Donc là, je suis en train de leur dire qu'ils sont tout simplement devant l'entrée principale, devant la fenêtre blanc, etc. Donc en gros, on le voit, c'est une prise de contrôle, garage, armerie, main. Voilà, là je l'ai dit, c'est du main garage les gars, ok, bam, on drop l'info. On skip un peu le round, de toute façon, celui-ci est perdu, je vais pas le cacher. On s'est débrouillé comme des thugs, on s'est fait souffler, voilà. Donc là vous le voyez un petit peu sur la phase de droning, vous le voyez, bam, je me prépare un peu le top, le Capitao drone un peu le main, là Ibana est en train de droner le meeting, voilà, on s'est vraiment réparti les tâches sur le droning tout simplement, que moi je puisse un petit peu rentrer côté blanc, comme ça en YOLO freestyle one shot, y a pas de problème. Hop là, allez c'est parti, début de round c'est parti, cette fois-ci je décide de pas faire la même chose, de peur d'être repéré tout simplement, et je prends le contrôle du top, donc je reprends une info rapide au niveau du drone, j'ai un collègue qui rentre en bas, donc je sais qu'il y a personne qui va aller du côté blanc. Et là je sais que tout ce que j'ai à contrôler c'est la passerelle et le main tout simplement. D'ailleurs je sais pas si on entendra correctement sur la vidéo, mais j'ai pris l'information sonore qu'il y avait quelqu'un dans la passerelle. Là je commence à paniquer, je vais pas recharger mes breaching ground. Boum, j'enquille mon breaching ground, je pète la passerelle. Qu'est-ce qui se passe? Surprise, pulse, toujours être prêt au contact, toujours. Voilà, le pulse est tombé. Et là, si j'étais quelqu'un d'intelligent, je me serais mis à droner le meeting tout de suite. J'ai fait un autre choix qui est plutôt logique aussi. J'ai porté assistance à Maïbana dans les escaliers, j'ai pris une ligne. Mais du coup, ce qui est dommage, c'est que je sais pas trop ce qui se passe sous mes pieds. Et je ne sais même plus si je drone ou pas. Si, je drone, effectivement. C'est bien White Shark. White Shark qui drone avec une hache. C'est bien. J'ai donné l'info meeting clair, bam, vous l'avez vu, ça permet de communiquer, de transmettre les informations, ça permet aux collègues de savoir ce qui est pris et où n'est pas pris ou quoi que ce soit. Du coup, on m'a demandé de prendre l'info dans les escaliers, de les couvrir, je les assiste pour couper la rotation des ennemis et là, tout simplement, je commence à enquiller. Je vois qu'il y a une insertion côté grande tour, donc je reprends le contrôle par l'arrière. Je tire sur un cadavre et bam, White Shark, il fait le malin, il fait un cut. Bon, ok, pas très très Charlie tout ça, mais ça passe, c'est un magnifique round. Là, moi, 2 elle est passée, on a presque fait une perfecte, c'est joli, le jeu est beau.
c'est étalé, ça joue teamplay. Donc là, vraiment, sur ce round-là, qu'est-ce qui manquait? Il manquait une prise d'information sur le meeting, ce qui est vraiment dommage. J'aurais dû droner, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu avant, mais je trouve que sur ce round-là, le choix que j'ai fait était plutôt judicieux. Alors, c'est parti, quatrième round, on continue à enquiller, je joue le smoke proxy BP, mais cette fois, agression dans les escaliers pour provoquer l'erreur. Alors, j'arrive à récupérer l'entrée au niveau de l'école, et là, j'essaye de faire une Pengu, en fait, et je vous mens vraiment pas, j'essaye vraiment de singer Penta Pengu en finale de Pro League. Voilà, ce qui s'est passé un petit peu sur cette finale de Pro League de cette année, l'ancienne saison. Et là, je sais bien, parce que je suis en train de provoquer une erreur de l'Aibana, qui se sent obligé d'ouvrir le mur des escaliers pour me sortir. Et donc du coup je sais qu'il n'y aura pas d'open au niveau de la meeting. Donc ça va se jouer devant au niveau du lobby. Et c'est sûr et certain. Je reprends les infos, je temporise au niveau du coin pute tranquillement. On attend l'erreur des ennemis. A few moments later. 1 minute 17, on commence à avoir un contact dans les escaliers, une Ibana qui travaille. White, oui, White, il va t'ouvrir les Ibana, t'inquiète. Allez, bim, c'est fait. Et je vais cycle la Ibana et là regardez, boum, le coup de shotgun qui ne fait pas de dégâts à la Ibana. C'est un truc de ouf. Mid HP sur un coup de shotgun à 2 mètres de distance. Bon, on n'en parlera pas, c'est pas grave. Voilà, je prends les informations caméra comme un petit peu toujours d'ailleurs. Et on va regarder cette fan round qui est en train de se passer du côté pre-made White Shark. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils font les collègues. On a un petit coston qui prend les informations Mirabac. Et là moi je suis en train de scouter en fait. Quand j'appuie sur tab, c'est pas juste pour me branler sur le score. On s'en fout que je fasse un 6-2, mais c'est pour voir du coup qui reste en vie ou pas. Si par exemple le Azela il a qui est chaud, ça avait l'air d'être le plus chaud de l'équipe en face. Si lui il est tombé, on a quand même une probabilité plus grande de passer ce round là que s'il était encore en vie. Vous voyez un peu le délire. Bon, là, 10 dernières secondes, ça va rusher dans le main. Il y a plein d'erreurs qui vont se faire. Et maintenant, c'est là que, dans la précipitation, le jeu va se faire. Donc là, on regarde la défense qui essaye de temporiser. On voit Isaac qui commence à paniquer parce que il y a des ennemis qui lui sautent dessus. Mais les ennemis paniquent parce qu'ils sont paniqués non seulement par rapport à la défense et par rapport à leur temps qui leur reste tout simplement pour attaquer. Donc là, dans cette amas de bêtises, ce sera celui qui sera le plus calme et le plus réfléchi, sachant que la défense aurait très bien pu jouer la plante, le temps, la hache elle avait juste à flasher, à se déplacer derrière le linge tout simplement et à poser sa bombinette. Non, les choix n'ont pas forcément été intelligents et judicieux, ce qui a provoqué des erreurs des deux équipes, et tout simplement sur ce cas de figure là, la défense a été largement avantagée par le setup défense tout simplement. Donc voilà, c'est un round qui aurait pu se gagner des deux côtés, vous voyez. Round suivant, on commence avec une hache cette fois-ci pour une insert grande tour, prévoyant en fait tout simplement le jeu au top, mais ils sont nouveaux en bas. Donc là, j'avais demandé aux potes de prendre les informations au niveau de la grande tour, voulant vraiment m'insérer dans la grande tour. Alors là, franchement, pour pas vous mentir, je sais absolument plus ce que j'ai fait. Si, peut-être ouvrir ici pour reprendre le contrôle armurerie et droner le top côté master générateur et tout, je sais pas trop ce que j'ai fait. Ouais, je drone l'armurerie, voilà, standard. Je vais droner le top, donc on va passer au niveau de la master. J'ai donné l'information que le pulse était toujours dans la passerelle, et du coup j'ai choisi de revenir sur la grande tour effectivement pour reprendre l'information passerelle, savoir s'il y avait une rota, savoir s'il y avait du monde meeting ou pas. Et je savais pas trop en fait. Donc du coup, comme j'ai été mute et que je me retrouve tout seul, là c'est vraiment le skill pur qui parle. On va essayer d'aller challenge et de chercher les ennemis tout simplement. La prise de contact qui se fait délicatement dans la grande tour. Je sécurise un peu au niveau des caméras et compagnie. Je regarde, je prends les infos, je tempo. J'avais très peur qu'il y ait effectivement quelqu'un au niveau de la passerelle. Je savais pas s'il était descendu ou pas, puisque j'ai pas eu d'informations tout simplement. Et là je voulais redroner, donc je me mets safe. Mon pote a été yokai, donc faut que j'aille l'aider parce qu'il va se faire rush. Il est sous yokai. Je prends l'information, boum, là et là elle décale, voilà. J'ai protégé mon pote. Et là, boum, surprise, le deuxième, drop shot, ça passe, ça rentre. Boum, j'avoue j'ai eu un peu de chance aussi. Du coup normalement si tout va bien, le meeting devrait être clair puisqu'ils sont plus que 3. Et ça va commencer à se jouer en proxy BP. J'ai pré-shot au niveau des sacs de sable et derrière au niveau de la chambre américaine. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Voilà, il en reste plus que 2, c'est à ce moment là qu'on est censé commencer à enquiller. Et je sais plus comment ça s'est fini, mais je commence ma prise d'info en descendant. Comment ça s'est passé? Je pré-shoot la mirage, j'attends les collègues, je vais commencer à travailler en bas. Le premier qui se fait sortir par le bas, qu'il a décidé de s'insérer tout seul de l'autre côté plutôt que de jouer avec nous. J'attends toujours mon diffuseur, je sic au niveau de la mira, je tente le flick shot et effectivement ça ne passera pas. Et il nous reste notre dernier poteau là qui se retrouve en situation de 1v2, coincé sur la machine à laver avec le diffuseur.
diffuseur qui ne sait pas trop où les gens arrivent, si ça vient du top, si ça vient de coin pute. Même si on lui dit que ça venait pute, avec la précipitation, il a fait trop d'erreurs de nouveau. Voilà, il a même pas trade ni rien, il a pas bougé et il s'est laissé complètement absorber par la défense qui était en train de le coincer autour de lui sur cette putain de machine à laver qui fout la merde dans plus d'une des games de Pro League. Quatrième round, on commence dans la Master Bedroom et dans la Kids Bedroom. Petit placement des Jaeger, ça vous montre un peu comment je place mes Jaeger et où je place mes barbels. Voilà, petit barbelé escablant, boum. Voilà, c'est fait, il n'y a pas de problème. Mes renforts, je les mange, je les pose même pas. Mes Jaeger non plus. Quand on est en ranked, on s'en bat les couilles, je pose mon Jaeger. Toujours un escablant, effectivement, pour éviter les grenades sur le mec qui est proxy ici. Et là, si, j'en ai quand même mis une fenêtre master. C'est bien White, t'es quand même vachement intelligent comme mec quand tu te mets à jouer correctement. Alors du coup, où est-ce que je suis allé jouer? Je sais même plus, je crois que je suis allé jouer au niveau de la grande tour, peut-être, potentiellement. Ou de la petite tour. Quel est ce jeu de roaming absolument bizarre? D'accord, donc j'ai pris la décale grande tour de la cuisine. Ce qui est très dangereux puisqu'on a une ligne de spawn dans le dos. Difficile. Et j'ai pas pris d'information caméra cette fois-ci pour localiser les spawns, vous le noterez. Quand on est en ranked ou en custom, définitivement, on joue vraiment différemment de quand on joue en compétition. Bon, la prise d'information, elle y va vraiment ballsy là. On rentre dedans, on regarde même pas ce qui se passe. Ah si, quand même, le choix judicieux du petit requin blanc qui prend les informations à la caméra. Alors, je regarde un petit peu tout ce qui se passe autour, voilà. Ça paye pas parce qu'on voit pas grand-chose, mais j'ai entendu quelqu'un à côté de moi. Un drone. Droner égale bouger. On bouge, on change de position. Pour forcer l'ennemi à nous chercher. J'entends du bruit. Est-ce que je challenge? Est-ce que je challenge pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je cherche d'où ça a tiré, en fait. D'accord. Et là, j'ai trouvé d'où ça venait de tirer. La fenêtre des chiottes. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est pas loin de moi, en fait. Et là, maintenant, ça sera à moi de trouver où il est. Et à moi de le sortir parce que c'est mon boulot en tant que roamer. Ou de faire perdre du temps. Et en soi là j'ai déjà fait perdre 1 minute 20. Ou alors de sortir des kills. Et bon, un roamer qui fait perdre du temps et qui sort des kills, c'est assez appréciable on va dire. Voilà, et de 1, et bam, il bouge tout de suite le White. Il bouge tout de suite parce que faut arrêter d'être greedy. Souvent je reste sur place et je sic comme un gros porc. Mais il faut pas, donc je bouge. Ok, je continue à prendre les infos. Bam, hop, il y en a un dans le couloir, il tombe aussi. Toujours décalé, debout, accroupi. On n'a vraiment pas assez d'informations. Donc là, je regarde, ok, tout va bien sur le BP, il n'y a pas de problème. Et là, de ouf, je me dis, il y a la moiteux qui est faite, il y a 3 morts. J'y vais, je sic comme un gros porc. Erreur, bam, allez, sorti, suivant. Situation de 3v2, bam, le greedy de Coston qui ne payera pas. 2v2. Et ça grid encore puisqu'on a la Ella qui va sortir. Vous allez voir. Attention. Pulse sur une décale fixe. Une micro-ligne qui n'est pas vraiment une micro-ligne. KS qui est toujours dans les escas armurerie. Que va-t-il faire? Il descend. On le voit. Il pousse dans le main. Bam. Il arrive à sortir le rappel. Bien. Ou le balcon, je sais pas. Il l'a eu juste sur le balcon là au début. Et là, je dis à mon pote, il est droite. Bam. Il se fait sortir. Situation de 1v1 pour le KS6K Meister, le frérot, le sang, tu vois. On l'a entendu. J'ai donné l'information générateur couloir parce que je l'ai entendu. Il lance son Ella pour que ça pète en proxy. Elle est étourdie. Il fait le back. Le crosshair placement est absolument dégueulasse, mais le brain est là. Le brain est là et l'action était belle. Il l'a contourné, il l'a sorti et c'est le principal. Il a gagné son 1v1. Un peu sneaky peeky like, mais il l'a sorti. Magnifique. Gros brain. Allez, dernier round, c'est parti. On est sur la hache. On est en balle de match, tout simplement, hein. On est en match point. Et là, la prise d'information, vous le voyez, elle commence à se faire citerne, grande tour et cuisine. Donc, je sais plus, peut-être que j'ai fait une insert cuisine, peut-être qu'on a fait de l'anti-roaming. Là, franchement, j'ai plus de mémoire. Là et là, et les spots. J'arrête pas de spot en espérant qu'il y ait quelqu'un qui vienne me la chercher. Hop, meeting est là, cuisine est là, la cuisine qui donne envie, on sait les blagues de merde à la White Shark, y'a pas de problème. Couloir est là tout de suite, je donne l'info au pote, je dis que je suis en train de spotter et tout, mais Twitch était en vacances, définitivement il voulait pas. Voilà, donc du coup, il y a un roamer qui est re-rentré, et il doit y en avoir un deuxième qui squatte un peu, à voir, à moi de prendre l'info. Donc je lui ouvre une fenêtre, je flash dedans pour deny les Jaeger, je crois qu'il y avait même pas de Jaeger, je fail ma flash et je dis tant pis, nique sa mère, je rentre cuisine. Prise d'information, on y va doucement. Vraiment regarder partout quand on n'a pas de drone. C'est vraiment
crucial tout simplement de regarder partout. Ça m'a permis de voir là et là tout simplement. Hop, j'ai spoté le lésion, donc là je vais rusher dans la meeting en espérant qu'il n'y ait personne à côté. Je rush dans la meeting pour essayer d'intercepter le bac du lésion. Je ne comprends pas par quel miracle je n'arrive pas à l'avoir. Mais dans tous les cas, Badiel a eu la même idée que moi. Il l'a récupéré par la fenêtre de la grande tour. Ça nous laisse en 4v2 tout simplement. Et c'est parti, on enquille. Le Capcan qui pète, boum. Je prends l'information, je l'ai entendu derrière moi. Bim, le joli turn. Et c'est fini. Voilà, le turn est insane. Donc c'est une fin de partie en 5-2 pour nous sur un round vraiment très propre avec un turn de l'espace qui est dû au manque d'informations qu'il y avait dans l'équipe. Ni moi, ni les autres avons droné. On a tendance à vraiment prendre la confiance quand les ennemis sont en infériorité numérique. Et ça, si je peux vous le conseiller, faites-y gaffe. C'est encore un truc sur lequel je travaille énormément parce que moi-même, j'ai du mal à me discipliner. Mais sachez-le, c'est risqué. Prenez des infos et checkez partout, surtout si vous êtes seul, en solo queue. Donc j'ai vraiment essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un qui joue en solo queue, quelqu'un de très nerveux qui joue vraiment très agressif, et j'espère que ça vous aura vraiment plu. Donc voilà, je pense que vous en serez douté, c'est la fin de cette petite vidéo, en espérant que ça vous ait énormément plu. C'est un concept qu'on aime bien ici sur cette chaîne YouTube. J'avais envie de dire un autre truc, je prépare tout simplement une nouvelle campagne de t-shirts, de pulls, etc. Wildshark 67, Team Shark, donc vous en verrez plein, sachant que la PGW arrive très très bientôt. J'avais vraiment envie de partager quelque chose avec vous, de nous faire un lot de, comment dire, de vêtements qu'on puisse se reconnaître, qu'on puisse les signer, se les donner, se les échanger si on se voit à la PGW, ou à peut-être une ou deux rencontres abonnées que je ferai à Strasbourg, éventuellement autre part, je ne sais pas. Sachant que vous êtes beaucoup à m'en demander, je mettrai le lien de la boutique sur les réseaux sociaux. Donc suivez-moi vraiment sur Twitter, je vous encourage à me suivre sur Twitter, à vous abonner à cette chaîne YouTube, checker les descriptions, checker sur Twitter. Je vais vous poster tout simplement les liens de la campagne de t-shirts, de pulls, de gilets, je ne sais pas encore exactement ce que je ferai. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez. Et puis, ça sera fait là, incessamment sous peu. Peut-être ce soir, peut-être demain. Mais voilà, dans les jours qui viennent, ce sera fait, vous inquiétez pas. Les gars, c'était White. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !